Salut YouTube et bienvenue pour ce 63e épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Alors, j'ai plein de choses à te dire YouTube. La première des choses, c'est que le jeu a été patché ce matin en version 1.0.3 et ça règle divers problèmes dans le jeu. Je suis pas sûr que le load a été impacté par le patch, je sais pas. J'aurais du mal à le dire. Bah, ça dépend des moments, donc je ne sais pas. La chose importante, du fait que j'avance beaucoup plus vite dans le jeu que je ne l'upload, bah, je me retrouve avec de la place qui diminue. Alors j'ai encore un bon terrain d'avance pour enregistrer, mais au rythme où je vais, il y a un moment, vu la longueur du jeu, où je vais me retrouver à plus pouvoir record, si je continue sur ce rythme-là. Ce que j'ai fait, le temps d'upload quelques vidéos, et c'est probablement ce que je vais faire dans les 2-3 jours qui viennent pour essayer de... Quoi ? Saloperie, hein. Oui, donc pour essayer de rattraper un peu le rythme de upload, c'est que j'ai fait toutes les missions à la con, non scénarisées, random, dans le but de gagner des ressources, de l'argent, d'upgrader le bateau, d'upgrader les armes, d'upgrader le stuff. Toujours avec deux contraintes, aucune mission scénarisée, où il y a attrait au scénario, et aucune visite de nouvelles contrées. C'est-à-dire que je veux conserver toutes les missions scénarisées et les visites dans les territoires inexplorés pour les records. Absolument. Donc en fait, je refais des guerres, je refais des trucs, voilà. En gros, je farm, grosso modo, en attendant d'uploader des vidéos de manière à retrouver de la place pour retrouver un rythme de record. Ceci étant, en faisant ça, j'ai refait la mine d'argent dans laquelle on avait buté le maître, là, qui nous permettait d'avoir la dernière pièce du set de la vipère. Mais j'avais pas été faire la mine. En faisant ça, je suis allé faire la mine. Le jeu est vraiment beau, là, Michel. Là, c'est vraiment très, très beau. Le load est dégueulasse là-bas, mais là, c'est vraiment, vraiment très beau. J'ai découvert un indice sur un nouveau maître. Il est là-bas, tu le vois. Et comble du hasard... Donc là on est à Corinthe. Il se trouve exactement là où on était en train de faire notre délire avec Podarques, qui est lui-même un adepte. Et il y a un mec qui est là, Michel. Alors on a upgradé le bateau aussi. Regarde-moi Michel, tout ce violet. Aucune idée si ça déchire, mais en tout cas on a vraiment beaucoup monté les dégâts. On a encore beaucoup, on pourrait hein, encore upgrader là. Si on avait plus de bois, on pourrait même le foutre à fond ça. Ça vaut le coup, ça. Je pense que c'est ça que je vais augmenter à fond, hein, le blindage. Plus 50% d'intégrité, plus 50% de blindage. À mon avis, une fois que t'as ça, peut rien t'arriver. Donc je vais attendre d'avoir 1112 de bois. Et je vais claquer. Hein. Je vais rien dépenser avant ça, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. Bref, voilà. Et je vais faire 2-3 vidéos par jour, au lieu d'en faire 7 ou 8. De manière à, pendant quelques jours... ne pas record plus de vidéos que j'en upload. Parce que sinon, au rythme où je vais, ben, à un moment donné, je vais être obligé d'attendre 5, 6, 7 jours d'uploader toutes les... Parce que là, c'est le 63e épisode, j'ai uploadé que le 35... Là, je viens d'uploader le 35e. Voilà. Sachant que chaque épisode pèse 35 giga, quoi. Donc... voilà, j'ai une trentaine d'épisodes d'avance, donc... Faut que je réduise à 15 ou 20. Voilà, quand j'aurai réduit à 15 ou 20, on sera bien. Bon, on va se téléporter là-bas, Michel. J'espère que tu as compris où je voulais en venir. On va se téléporter là. Non, on va se téléporter au bateau, puisqu'on va y aller en bateau. Voilà. Alors, je fais des tests en même temps. Je fais des tests de gravure, d'armes.
de combos basés sur le poison là pour le moment, mais je fais des tests. J'en profite pour faire vraiment des... Bras zéro. L'amélioration de brasier a débloqué de puissantes attaques incendiaires pour votre navire. Les attaques ordinaires permettent d'accumuler du potentiel incendiaire que vous utiliserez pour effectuer des attaques incendiaires à l'aide de, flèches enflammées LT plus RB et de javelots enflammés RB. Ok, donc on peut pas le faire de base, mais au bout d'un moment... ils ont effectivement accéléré le bateau. C'est mon vieux Tadok qui... Fermez vos gueules, tu faisais remarquer ça tout à l'heure, et effectivement... Alors, oh là là, il y a du monde, il y a du people comme on dit. Donc ça c'est le griffon d'argent. Il y a du Michel qui est là. Et on fait une approche un peu moins bourrine, parce que là, avec les dagues, c'est très très puissant. Putain, il y a butin du bois. On ira régler ton compte juste après, toi. Ok. Donc oui, je viens un peu moins bourrin, parce que si les dagues sont très très puissantes, la façon dont elles se jouent est très très risquée, dans le sens où tout se joue à partir de son attaque heavy. Son attaque heavy qui traque les ennemis, qui parcourt de la distance, fait énormément de dégâts, qui stun. Incassable. Il va me voir si je le bute lui ou pas. Ouais, c'est bon, ça veut rien savoir, c'est le merdier, c'est buggy. Très bien. Ok. C'est pas simple hein, parce qu'ils défendent bien tout le merdier, c'est con hein. Déjà je pense que je peux tuer l'autre là-bas. Non, même pas. En fait ça se trouve il est tout bidon l'autre et... Ouais, non, il a pas l'air si bidon que ça en fait. Putain, il m'a fait super mal, bordel. Pourquoi ça m'a pas déclenché le poison, Michel? Voilà. Ok. Putain, merde.
Oh merde. Voilà, parce qu'en fait j'ai fait un build Glacier Cannon qui fait extrêmement mal. D'ailleurs, comme vous avez vu, j'ai monté énormément les dégâts de l'arc. Je fais des dégâts grotesques à l'arc. La contrepartie, c'est que j'ai eu le droit de prendre aucun coup, mais absolument aucun coup. Le moindre coup, c'est one shot. Hein. J'ai vraiment pas. Parce qu'en fait, j'ai des. Je vais vous montrer. Oh merde, oui, c'est vrai. Oh putain, j'ai le con. Non, mais tu vas. Mais. Get in position to sail! Good to have you back, Commander. Oui, il faut que je montre pour que ce soit clair. Là, ces dagues-là, là, j'ai plus 15% à tous les dégâts, mais moins 15% de santé, ce que j'ai également fait sur le sur l'arc. Et cette nouvelle lance-là, je l'ai build pour qu'elle augmente les dégâts de l'arc. Voilà. Donc je fais d'énormes dégâts à l'arc, je fais d'énormes dégâts avec tous les la dague et le poison. Par contre, j'ai pas le droit de prendre de dégâts, donc faut que j'y aille moins frontalement. Ce sont des tests, hein. J'essaye un peu toutes les façons de jouer, plutôt évidemment bagarre et combat, hein, mais j'essaye un peu tout. Je ne m'interdis rien. Ok. D'accord, il veut pas les sélectionner, bah écoute. T'as le droit. Moi j'ai envie d'aller péter le bateau en plein de bois là. Mais Michel, normalement tu me donnes des boîtes, non? Sinon on va jamais s'en sortir, Michel. Let's go! We're at full speed! I need archers! The commander's left the helm! Il faut être sûr, non? Je vais mettre une dernière. Récupérer que dalle de bois et. On peut pas t'en donner plus que ça le machin. D'accord, bah écoute, c'est vraiment de la merde. Ready your bones! They're about to...
Oh là là, Michel, j'avais pas prévu tout ça, moi. Et c'est bon, mais lâchez les couilles. Non, toujours pas, évidemment. Voilà, calme-toi maintenant. Je t'ai fumé. Y'a un autre prétendant ou pas? Je préférerais que non, j'ai pas envie de m'en lancer encore. Ok, bon. Slow the ship! Archers! Release! Try another volley! Bows ready! Release them! We didn't hit! Watch for those arrows! More speed! They're ready to fire! On l'a échappé belle, Michel. C'est pas du jeu, ça, c'est Michel, sans déconner. Alors que je suis même pas... Et du coup, ça recommence tout depuis le début, ouais, il m'emmerde. Ça, le système de sauvegarde du jeu est vraiment relou, putain. Je sais pas du tout ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, du coup, on sait pas. Commander's leaving the deck. Voilà, moi je m'en vais.
Bon. On était venu là pour ça déjà. Ah putain, il n'y a pas eu la reconnaissance n'a pas été effectuée. Oh là là. Ah si, c'est bon. Mais le système de sauvegarde du jeu, il est pas au niveau. Hein. Pas au niveau du tout. Hein. Vraiment de la merde. Donc on peut pas sauvegarder là. Voilà. Quoi ? Ah, il m'emmerde. M'emmerde le Jimmy, hein. Putain. M'emmerde sévère. Putain, j'en ai rien à foutre. Quoi ? Plonge Michel, plonge. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a fait là ? Monter dans le... Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Ah, la précision du truc, bordel, par moment. Ok. Voilà. Injouable par moment ce Jimmy-là, putain. Il a quand même... Il a clairement été fait avant Origins, parce que Origins, il souffre pas de tous ces petits défauts de... d'ergonomie, de finition... Ouais, je suis là. Il a pas tous ces défauts-là, Origins. Donc, je pense qu'il est... Odyssey a clairement été quand même commencé avant. Il a plein de petits défauts pénibles. Vraiment pénibles. Vraiment pénibles.
fais n'importe quoi, Michel. Putain, Michel, c'était pas simple cette histoire-là. Ok. Bordel, t'es vraiment béni, putain. Correctement, Michel. Michel, bordel. Oh là là là. Alors ça peut me permettre de pas me faire tuer, évidemment. Et on va s'en servir pour se barrer. De la distance. Si j'ai pas vraiment le champ dégagé, là c'est le cas, j'ai des espaces vraiment confinés avec les dagues, c'est vraiment handicapant pour moi de me battre là à la loyale contre des mecs en plus bien qui vont one shot, ils vont tous me one shot. Le moindre coup que je prends, n'importe lequel d'entre eux, hein, c'est décès direct. Hein. Direct. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Voilà, on confirme.
On se casse, on va sur le petit bateau qui est là, là. Ah, ça va garder. Alors, lieu sûr, c'est quoi? C'est mon bateau à moi? Ah, j'espère quand même que sur mon bateau, il va considérer que c'est sûr et... Il va me laisser sauvegarder. Une fois que j'aurai sauvegardé avec le mec mort... Ah bon, on va se marrer, on va retourner, on va y aller un peu plus sauvagement, voilà. Ok, on y retourne parce qu'on a quand même des trucs à faire. Très bien, et il n'y a qu'un trésor sur... Ah oui, il y a le deuxième item. Ok. C'était sympa son petit bled à Michel. J'ai un indice de membre du culte. Voilà, parfait, c'est celui-là que je voulais. Alors, un indice à propos de l'adepte a été perdu dans une crique de la côte des pierres en Achaya. Voilà, Michel. Et... Ok, donc il manque... Et pour avoir le cinquième de celui-là, une crique en Achaya. Où est-ce que c'est l'Achaya, Michel? Parce que moi, ça m'intéresse de lui finir. Achaya... Putain, c'est quoi ça? Anafi... Melos... Chios... Supprime-moi ça, bien sûr. Achaya ? Putain, mais c'est où ça ?
Je sais pas ce que c'est, HL. Ah, là, d'accord. Non, une... Ok. Ok, donc c'est dans un de ces coins-là, quoi. Ok. Ah, donc c'est dans le truc au début. Faudrait voir, quoi. Ouais, bon. Moi, je suis où? Je suis là. Bah, reprends ton bateau, Michel. Sauvegarder parce qu'on est... Ah non, on peut pas. Ah bah oui. Fais voir cette... On a chopé. Parce que le 7, il m'intéresse beaucoup, hein, celui-là. Là. Le 7 d'Agamemnon, là. Il m'intéresse beaucoup. C'est un 7 qui fait du feu. Il est vraiment très... Il a l'air vraiment très très stylé, en plus. Il m'intéresse beaucoup, beaucoup. Hein. Vraiment beaucoup. Donc voilà, bon. Allez. De la côte des pilleurs. Ah, c'est probablement ça. Hein. Mais je pense que le niveau est bien trop élevé pour moi. Malheureusement. Du moins pour le moment, parce que là il y aurait minimum niveau 42. Bon bah ça fait. C'est beaucoup trop. Bon pour le moment, écoute, on va se contenter de ça. Il y a la fureur de Kira. Taïta, une seule chose, c'est pareil, Taïta des renforts spartiates. La plus puissante flotte du monde. Alors Cassandra mobilisa l'Adrestia afin d'attaquer l'irrésistible flotte athénienne. Ah ouais, je sais pas si c'est un bon move ça quand même, Michel. On va le tenter quand même, puisque c'est ça, tu vois. C'est où du coup, Michel? Là-bas. Allez, dépêche-toi, voilà. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Même pas fait gaffe, il y avait des ennemis quelque part. Tu es la zob, Michel, hein. Oui.
Ah oui, je suis totalement à la zone. Alors, ici les Spartiates, c'est mes frères, j'ai le droit d'aller dans le camp, c'est fabuleux. Il est où l'autre? Alors. Ah, il est démonté ton bateau, Michel. Spartans! Many brothers were lost to the Athenian docks! A fine speech. Athenians give speeches. Spartans give orders. Your men are brave, but they won't be enough. We need those reinforcements. They'd never get here alive. The Athenian navy is too powerful, and our ship is at the bottom of the sea. Mine isn't. You'd confront them in open waters? Not sure if you're brave or just mad. The Adresti and I have faced greater challenges than a few Athenian ships. You fight like Achilles reborn. But even you couldn't defeat the entire navy. But if I sink enough ships, the Spartans can get through. There's something else. A helmet was left on board my ship. It was my brother's. I'll sink the ships. But I'm not making any promises about the helmet. You've been here long enough. How many ships protect Delos? You'll never sink them all. We just need to punch a hole in their patrols, enough to send them scrambling. So the helmet from your pater means a lot to you? It does. He pried it from his pater on the battlefield of Thermopylae. The sea's a big place. Where did your ship sink, exactly? Somewhere off the northern coast of Mykonos. We could see Miltiades' fort as we swam to shore. The sharks will have full bellies when I'm done. Ah, il me demande dans coup les trois. Bah, si j'ai pas les trois en même temps, ça devrait le faire. Évidemment. À sauvegarder avant de faire venir le bataille. Et puis on va couper là, ça sert à rien de... On va quand même faire venir le bateau. Ok. Ah bah y'a plein de bateaux là-bas, mais je... Get ready to set sail! The commander is taking the helm! Ah mais ils sont tous ensemble là-bas, donc ils vont tous m'attaquer. Bah, je préfère m'en prendre aux petits... qui sont... We've reached full speed! Genre celui-là là-bas il est tout seul là non? Let's go! I don't think they can pull the oars any faster! Oars down! Oar speed! Somehow.
pas si c'est le bon moment pour faire ça, Michel, mais... Je fais super cher, bordel. Faire gaffe parce que l'autre il peut venir m'embrouiller tout de suite là. On s'est viardé. On peut pas. Parce qu'ils vont m'embrouiller tout de suite, je pense. Hein. On va falloir fuir. Ok, bon, on va s'arrêter là, Michel. Et on va se faire les prochains. Lors de l'épisode. Du prochain épisode. Voilà. Salut les gens.